Rivière Coujol, en Caye, en Kouy. Yo signalé un tour de inondation dans la zone Tankou, Deschapel, Vio, Guiton, Bélanger, Bayeul, Fauveau, ak Marseillais. Tout Caïman dans Tomazo, ak village Renaissance dans Tabar. Dans niveau plateau central, nous avons un tronçon route qui coupé. Tronçon route, inch Thomasique, inch Cap-Haïtien, l'a passé par Pignon. Évidemment, j'en dis nous là, c'est des rapports partiels. Ça qui est clair, objectif gouvernement qui était zéro mort, ni sensiblement respecté. Parce que jusqu'à présent, c'est on porté disparu que nous recensons dans ce cas la source. Depuis hier après-midi, c'était un motard qui a essayé de traverser la rivière. Et hélas, je ne peux jamais retrouver le monde. Donc, nous pas qu'à dire mourir parce que nous ne pouvons retrouver le monde. Donc, c'est ça qui fait que nous parler de portée disparue. En ce qui concerne mesures vigilance, alerte a toujours été. Nous pouvons lever alerte rouge là parce que département qui était suscité, c'est-à-dire nord-ouest, la Tibonite, nord, nord-est, à plateau central, gain commune qui dans le département Sahel, qui toujours sous influence cyclone. Là. Nous mettrons tant de signal autorité compétente pour nous lever alerte. Là. Nous demandons pour toute autorité, délégué départemental, vice-délégué, toute équipe coordination des PCA depuis au niveau départemental, jusqu'à la section communale là, pour ne pas baisser les bras, pour être vigilant et coordonner aide là, réponse là, dans le département, dans la commune, à la section communale. Résultat ça, je dis, dans la phase nous y est là, nous dans la phase. Pas oublier que le prépositionnement est fait déjà dans 5 départements. Hier soir, ici là même, nous avons parlé de conteneurs qui pouvaient arriver dans le Cap-Haïtien, qui étaient pris en panne sur route et qui étaient en pile difficulté, qui prennent pratiquement plus de 48 heures sur route. Et mes conteneurs, ça, finalement arrivé matin, délégué départemental nord là, confirmez-nous, voyez photo pour nous, confirmez-nous que des cargaisons ça arrivé matin dans le département nord là. Et justement, inventaire dégâts qui fait dans toute commune nord, yo, mais ça fait dans l'autre département, yo, au niveau central, Koudio, il y a une information. Hein, et aide là à acheminer respectivement vers communes qui touchent eux. Merci en pile, ma disposition nous pour les questions. Maintenant, c'est avec un pile respect et honneur que chef gouvernement, Premier ministre, Dr. Jacques-Guy Lafontaine, prend la parole pour lui parler avec la population haïtienne. Merci, monsieur.
haïtiennes, haïtiens. Tout d'abord, nous allons remercier Son Excellence Jovenel Moïse, président de la République, pour support, pour disponibilité, pour gens qui étaient proactifs pendant les derniers jours. Et je dis nous que le président a fait tout ça qui était possible pour qu'on puisse arriver au niveau de zone qui était affectée. Nous allons remercier la Première Dame de la République Nato pour support. Parce qu'elle était à l'étranger. Pendant à l'étranger, hein, dans la rencontre des Premières Dames dans la CARICOM, Première Dame dans la zone CARICOM, il a réuni Belize, il a téléphoné, il était tellement préoccupé de ça qui t'a passé en Haïti. Nous t'aimons remercier pour le conseil que tu as bâillé. Au remerciement à la population haïtienne qui t'étendait conseil que l'administration Moïse Lafontaine t'a bâillé et surtout de ce que tu suivi conseil ça. Un remerciement spécial à la presse. Moi fier de nous. Merci en pile, m'a gen mot pour m'ka di. Parce que c'est vraiment un matraquage médiatique côté que nous là nous participer pour nous ka porter information à population et grâce à intervention nous m'ka di que gen pile vie qui sauvé. Remerciement à équipe protection civile. Équipe ça, elle travaille 24 sur 24. Peut-être nous pas ouais, mais c'est grâce à eux que tout ça bel travail qui fait ces derniers jours, c'est grâce à eux que travail ça a réalisé. Nous profiter d'espace matin ça pour me remercier eux, pour me dire que le gouvernement apprécie tout ça que ils fait pour yon servir le peuple haïtien. Un remerciement à la collectivité territoriale, yo, magistrat, yo, Kazek, Azek, délégué. Yo. Nous pas oublier les travailleurs de la nation. Nous gagnons les policiers. Yo. La pluie t'a tombé, renfort t'a sorti dans l'autre département pour y aller dans la zone affectée. Chapeau pour yo. Un remerciement pour militaire nous. Un bon soldat. Même le que yo pas de gain abri pour yo, mais yo t'es avec population, avec des équipements lourds pour ouvrir route yo. Si besoin y était. Nous pas oublier fonctionnaires l'État. Ce sont aussi des serviteurs de la République. Parce que au monde qui fonctionnaire, l'État a choisi à le faire comme lui l'autre côté, mais l'y mettait au service du pays. Et eux-mêmes, ils étaient disponibles comme des soldats à l'appel du gouvernement. Remerciement à tous les bénévoles, bénévoles Croix-Rouge, scouts, nos brigadiers, brigadiers sécurité publique, brigadiers environnementaux, brigadiers ministère jeunesse, sport et action civique. Remerciement pour les travailleurs de santé qui étaient mobilisés, qui étaient réquisitionnés et qui étaient présents au niveau de nos hôpitaux au niveau de centres de santé. Et nous ne pouvons pas oublier partenaires inconditionnels, peuple haïtien, nous voulons parler de partenaires techniques et financiers de peuple haïtien. Merci encore au nom du peuple haïtien.
toute méthode de prévention, tout message de prévention que nous t'ai véhiculé, tel que déplacement de gré ou de force de la population, tout message que la presse t'a aidé nous bail, yo pote fouille. Et me profiter occasion pour remercier membre gouvernement, chapeau pour nous. Parce que je connais que nous n'avons pas dormi pendant ces derniers jours, les comptes 2h, 3h du matin, nous là, ici, hein, nous avons contacté le département. Merci beaucoup. Nous avons rappelé nous que, à côté de compter de nourriture que nous dévoyons au niveau du département, il y a des distributions. Et au moment que nous avons parlé, il y a une distribution de plats chauds. C'est quoi ça? Depuis hier soir, dans le département du Nord-Est, FAES a distribué environ 2000 plats chauds. Matin, toujours dans le Nord-Est, il y a 2000 plats chauds que FAES a bail à la population. Et à midi, il y a 4000 plats chauds au niveau du département du Nord-Est. Même pareil, ça a fait au niveau de l'autre département qui est affecté, notamment Nord-Ouest, côté 4000 plats chauds qui ont préparé aujourd'hui. Le Nord, 4000 plats chauds. Et le Centre, 579 plats chauds. Pendant toute crise, le gouvernement réunis presque tout le temps. Et une des décisions que nous prenons ensemble, c'est de mettre sous pied une commission d'évaluation rapide qui permet de nous avoir des données fiables, des données définitives, n'est-ce pas vrai? Et là, nous allons utiliser le système satellitaire et surtout, nous allons utiliser la structure que nous avons au niveau de chaque département. Parce que gouvernement, ce n'est pas seulement gouvernement central qui est au prince, mais au niveau de chaque département, nous avons des directeurs départementaux et nous avons l'autre quatre gouvernements. C'est eux-mêmes qui prennent collecter information ça pour nous. Et la commission, ça nous mettait sous pied, pour traiter information ça que nous avons bien chance dans les jours qui suivent pour nous partager avec la presse. Nous avons, avant de finir, pour me dire que le gouvernement de la République, non, la travaille grâce à Caravane Changement. Et cela, grâce à Caravane Changement, n'a culé rivière, n'a culé plusieurs pour ne pas dire plus de 2000 km de route pour l'asphalter dans le pays. A bien courant 24 sur 24, de l'eau qui est disponible et l'agriculture a pris j'arrête tout. Avec toute intervention, ça, nous avons un pays qui est moins vulnérable et qui est moins fragile. Nous avons demandé nous patience. Patience. Yon lot Haïti a pris naissance. Merci. Bien. Et rapidement, nous allons entrer à une série de questions. Et comme nous ne connaissons pas capables de questions, et nous allons enchaîner rapidement dans la liste là, non exhaustive. Nous avons Radio Télé-Guinée, première question 1, et puis après, nous avons et Radio Signal, et puis Radio Nationale et Capcom. Première question de Radio Télé-Guinée. Bonjour tout le monde. Ministre intérieur, Dr. Max-Rodolphe Saint-Albin, vous présentons un bilan partiel pour nous de passage ouragan Irma, fait mention de quelques rivières qui ont coulé, fait mention de inondations qui fait tout. Également disposition que nous prenons, mais à part
série problème ça qui arrivait. Est-ce que nous pas recensé des cas qui t'a crasé suite à un passage ou à un Irma? Si bien, ou à dire nous, combien y a-t-il et dans quel département nous enregistrons? Merci. Merci pour la question. Effectivement, et nous pas de parler de dégâts qui étaient faits dans l'abrio. Effectivement, un peu partout, particulièrement dans le département nord-ouest, donc sous l'île de la Tortue, par exemple, il y a une caille, tête caille qui allait dans le département nord, dans le département nord-est. Gen kaye, tête kaye qui allait, gen kaye qui arrive écrasé. Évidemment, c'est des informations partielles que me gagne des bribes d'informations partielles que nous pouvons faire mise en commun. Donc, souffrir que nous parlons comme ça. Mais effectivement, nous constater des dégâts et matériels, perte de maison. Très peu recensé jusqu'à présent, par quoi que nous notons en cinquantaine jusqu'à présent, et dans tous cinq départements, ça y est. Mais surtout, nous notons nous, en pile, signaler nous, en pile, tête caille qui allait. Bien. Et deuxième question, et le ministre intérieur qui a toujours été, parce que là, c'est pareil, deuxième question, par le ministre intérieur. C'est Radio Télé Signal FM. Bonjour, mon nom c'est Wesley Antoine, je travaille pour Radio Télé Signal. Ministre intérieur, dans l'intervention, nous, les premiers ministres, tout, dans ce qui concerne l'abri provisoire. Moi, je vais mettre l'accent surtout sur la question manger. Alors que dans l'abri provisoire, nous connaissons, nous avons besoin bien plus que ça. Parce que depuis hier, il y a un abri provisoire côté de Mounio, même il y a une campagne pour dormir. Dans mes connaissances, est-ce que c'est manger seulement mon yo qui est à disposition yo, alors on a baillé un abri provisoire là, ou bien est-ce qu'il y a l'autre bagaille toujours tant qu'on cabane pour dormir et pour couvrir? Donc on est des filles et si mon abri provisoire yo tout qui disposition qui prend dans ça qui concerne les questions santé, est-ce qu'il y a un kit de secours tout qui est disponible dans l'abri ça? Vous remercie pour vos questions. Effectivement, en termes de prépositionnement, nous t'ai fait prépositionnement surtout manger là. Même garantie que au niveau central, nous avons des kits sanitaires, nous avons des kits hygiéniques, nous avons des kits alimentaires, nous avons des matelas, couverture, pour me préciser pour vous, nous avons des autres instruments en cours, pelle, picois, râteau, bouette, que nous avons fait acquisition de eux, mais hélas que nous n'avons pas de dispatchés, clairement identifiés et côté qui a besoin en couverture, en matelas, en bouette, en pioche, en tôle, dépendamment de disponibilité, parce que là, nous avons fait acquisition de bois, de tôle, de clous, entre autres. Là, dans le dépôt central, là, dans le Koun, bagages sont disponibles, eh bien, ils pourront dispatcher vers côté qui a besoin. Merci. Ok, on a conclu avec Radio Nationale. Qui va le poser une question à ministre intérieur et à premier ministre. Bonjour, mon nom c'est Jessie Bonsilini, je travaille pour Radio Nationale. Première question maintenant c'est pour premier ministre. Par rapport avec ensemble mobilisation gouvernement, les mêmes qui déclenchent et depuis quelques jours avant arrivé au ragan Irma au pays, est-ce que aujourd'hui nous capable parler de satisfaction beaucoup du gouvernement par rapport avec toute mobilisation qui est faite pour les jours d'hier et en signe considéré objectif zéro mort que le gouvernement a fait by tête. Ensuite, l'autre question, non, c'est pour le ministre intérieur et la collectivité territoriale. On parlait d'environ 10 000 monde que
nous déplacer. Est-ce que monde ça c'est sinistré ou bien c'est des monde qui déplacés de zones à risque que nous mettez dans des camps pour capable protéger au corps pour éviter que aux victimes. Merci. Monsieur le Premier ministre, En ce qui concerne la question ça a posé spécifiquement à Premier ministre, oui, nous satisfaits et quoi c'est essence message nous matin. Nous satisfaits parce que toute prévention que nous avons fait, nous voyons que nous avons porté fruit. Cependant, étant donné que au niveau du gouvernement, nous sommes des perfectionnistes, nous avons des briefings que nous avons pour nous faire, côté que nous allons garder les points forts et les points faibles, de sorte que pour la plus prochaine fois que Haïti a gagné pour faire face à une catastrophe naturelle, qui gens que nous sommes capables plus efficaces sur le terrain. Merci. Concernant plus de 10 000 personnes qui sont dans l'abri provisoire, effectivement, il y a un peu des deux. Il y a deux catégories de personnes qui sont là. Il y a des gens effectivement que nous avons déplacés dans le cadre de prévention, que disposition que l'État te prend. Et effectivement, il y a des gens qui sont là parce que ils sont sinistrés proprement dit, ou bien qu'ils sont écrasés, ou bien toi tu es caillou aller ou bien parce que l'eau entre la caillou. Merci. Merci tout le monde et merci à tous les médias qui étaient en direct. Radio Nationale d'Haïti, Télévision Nationale d'Haïti, Radio Télé-Guinée, les différents médias, Horizon 2000, tous les médias en ligne qui, pendant toute période là, qui étaient assistés. Nous accompagner le gouvernement via la population hein, qui a facilité nous pour nous partager information qui strict, information qui parfaite pour éviter ensemble de toutes mauvaises informations qui ont circulé. Ça, c'est signe qui montre que depuis l'un commencé après le conseil gouvernement, le gouvernement travaille pour améliorer les conditions de la population hein, à travers non seulement les caravanes, à soi tout, disposition qui était mise en branle pour entrer dans la logique zéro mort qui était visé. Merci tout le monde et puis à la prochaine pour notre positionnement du gouvernement sous situation et cyclone Irma dans le pays d'Haïti. Merci encore. Tambour. Soleil, sourire, convivialité, TNH, la station de notre culture. Nous vivons dans un bel petit pays tropical. Les oiseaux remèlent, les gens remèlent vivent là-dedans. Konsa tout cyclone remen genje fixé sou Haïti. Soti mois de juin pour arriver mois novembre, cyclone déclaré li gen droit traverser pays d'Haïti pak an pak lè li del dil. Et puis c'est pas un monde bien non, mauvais coucou. Sortande, si jwenn piyay, c'est désagrément, c'est rèl, kay, bèt, moun. Cyclone pa respecte pèp ap. Mais nous ta ka pran mis frap si nous bien préparé. Grâce à Dieu, cyclone pas bay kou si pran. Li bon rendez-vous. Dieu li sou. C'est comme ça, d'après force impact yo pralye, secrétariat permanent k ap jere risak desas alerte yo. Dieu ki niveau vigilance pou gen. Vigilance jaune ki sa pou fè? Vigilance orange ki sa pou fè? Vigilance rouge ki sa pou fè? Direction protection civile bouke fè ou konnen que cyclone égal gros vent, gros la pluie, la houle, l'an même montée. Ou là pour inondation, déboulonnaïté et la trie. Précaution pas capable. On tropical et cyclone annoncé.